إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nous étions premiers chers frères et sœurs, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin permet nous pour tendre dans l'avance maghrib, quand l'imam finit, qu'il soit premier rakat ou deuxième rakat, surah Al-Hashr, sur la fin qui est Alhamdulillah, souvent on a habitué tendre de l'essence que beaucoup d'imams lient, parce que c'est parmi la fin qui amène. Mentionne beaucoup nous Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hashr, qui nous capable de la résurrection, veut dire quelque chose qu'on est sorti de monter. De là, nous avons un de banon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hashr. Pareil, comment écrit Ali Al-Hashr? Ou met un alif après He, Al-Hashr, c'est un parmi les noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le rappel qui est avec nous aujourd'hui, c'est ayat 19 quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Pas vin parmi les noms, c'est lui qui oublie Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait oublier eux-mêmes. Avant de venir avec verset là, ayat là directement, les bons nous connaît qu'il l'oublie, ils font partie de la nature du monde. Du monde, insan, il y a une manquation naturelle dans lui. Quand il crée lui-même, il est comme ça. Elle l'a donc oublié. De là, comme un savant dit nous, quand définit le nom insan, dérivé du mot nasiya qui veut dire oublier. De là, il réfère à l'engagement qu'il nous prend avec Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même qu'il nous vienne la terre, quand il finit dit nous, Alastu bi rabbikum, qalu bala. Est-ce que ce n'est pas moi qui suis votre Rabb? Nous tous disons oui. C'est l'engagement là. À part ça, il y a un oubli qui vient dans le cours de la vie. Mais ça, nous avons quelque chose qui nous oublie. Il y a quelque chose qui arrive à nous oublier, chers frères et sœurs, qui la loi dit, ou bien nous dit, parmi Dimon Insan, nous allons aller. Nous allons aller. La loi dit, comment nous connaît, quand Allah subhanahu wa ta'ala, enseigne-nous pour demander. Dans la fin de surat al-Baqara, Rabbana la tu'akhidna inna sina. Oh mon Rab, pas pour nous, parce que nous oublions. Quand nous sommes dans la masse, il y a sijda sahou. As-sahou. Pour nous oublier qu'il vient de nous la masse. Mais seulement, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, ban plus mauvais oubli, c'est ban surah qui t'apprend pas qui est oublié. Ban surah qui nous apprend pas qui est oublié, ban plus mauvais oublié. Donc, il y a une partie oubli acceptable, mais il y a une partie oubli non. Pareil comme ça même nous guetter dans la vie de tous les jours. On finira de bureau, on finira de travail, on finira ça. Moi, je connais une vie qui est arrivé. Mais moi, je trouve une cloquette. Ah, je vais oublier. Ok. Non, va guetter comment vous causez. Faire connaître un rendez-vous bonheur. Maintenant, vous comprenez.
Mais seulement on rentre la case ou bien à 16 ou madame Guetou, qui n'est pas. Que de vêtements que moi. T'es dans ces petits leçons. Aïe, mon lié. Mais il arrive, c'était les enfants-là qu'on peut attendre là-bas depuis 5e leçon de l'orgue. Vous comprenez? Il a oublié. Divine donne un sens de responsabilité. Donc, ça vraiment, quand on prend les. Dit beaucoup plus que ça qui nous pensait, m'ont oublié. Mais pour aujourd'hui, nous prenons trois. Premier, cher frère, pas oublier quand nous sortis. Pas oublier qui nous a été. Qui l'est. On trouve nous, tout un chacun, nous utilisons un good deal. Imagine ça. Pas oublier ça, amis. Avant qu'il coupe à dire, quand tu causes, tu causes, tu casses. Avant qu'il coupe à dire, quand tu causes, tu trouves tout du monde esclave devant toi. Avant qu'il coupe à dire, quand tu causes, tu causes pour l'autorité qui est avec toi. N'importe quoi, moi j'ai un goût de l'eau avant seulement. Pas oublier qu'au fait, tu sois impureté de ton ventre. Pas oublier ça. Et la tribu de ton ventre. Et pas oublier, demain quand tu mot, te donne le dire. Pas oublier ces trois petites choses-là. Un paquet, ça, hein? Tu es trois minutes ensemble, ça. Parce qu'il appelle-toi Dimoun, appelle-toi Insan. Tu n'es pas pour capable de venir plus supérieur que ça. Guetter à ce si pas ou dire que tu es pour mort, c'est. De quoi tu manques sous le lit qui fait toi morcer? Ou bien quand tu peux conduire, ou à dire que tu l'as mis tout le temps pour te montrer que tu peux vivre à côté droite parce qu'il conduit comme ça. Il y a le blié qui demain de ce cercueil, de ce janaza, il dit qu'il mettre la main de haut seulement. Ou à dire juste pour attirer l'attention, moi qui de sa machine là. Peine les pour dire poser au haste. À travers nos bonnes actions, nos bonnes paroles qui nous montraient les autres, vous êtes inférieurs à moi. Moi, je suis lady, moi, je suis gentleman, essayez. Mais tu parles que moi, tu as besoin d'un goutte de l'eau. Tu parles que moi, il y a une impiété de ton ventre. Et tu parles que moi, de même mot, si tu es au dire, tu commences à le dire. Guetter qui vous dirait. Parfait ou pour servir, dans ou vivant, je te donne le dire pareil que moi de tout. Pas oublier ses amis de la vie. Reste humble. Parce que supériorité pas vient de quelque chose matériel, mondaine. Supériorité vient de quantité frayée qui tenait pour ton créateur. Deuxième quelque chose qui n'est pas oublié. Pas oublier qu'il y a aujourd'hui tout ça qui nous peut profiter, tout ça qui nous peut réjouir, c'est la dédimoun de la terre qui nous bise un seul pour aujourd'hui nous là. Pas oublier ça dédimoun dans jamais. Aujourd'hui, tout ça qui nous profiter, tout ça qui nous peut gagner comme faveur, c'est la dédimoun de la terre. Il nous bise ça dédimoun là pour aujourd'hui nous peut gagner tout ça là. Comment je t'étais? Qui est capable de dire toi? Qui est capable de faire toi? À aucun moment, jamais tu es capable de remplacer ça qu'ils ont fait pour toi. Pas oublier ça, jamais. Quand on trouve ça drôle, quand un enfant dit où, il parle avec son maman, son papa. Il parle deux oreilles, hein? Vous connaissez le dîme islam? Même nous, maman, papa, pas même religion avec nous, nous bisons à continuer à fréquenter. Nous ne participons pas au lit de ce bon rite religieuse. Mais souvent, nous continuons à avoir une relation. Maman, moi, pas ça. Si ça, c'est le cas, dans le dîme islam, même ce mot n'a que d'oiseau de l'obéissance. Hein? Oui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, garde bonne relation en nous, maman, papa, zot bon camarade. C'est l'obéissance à zot.
connais, papa tu veux travailler dans une compagnie ou papa tu veux travailler telle place. Jou id vini un cuillère de chigit manger ou un kit poujot ou rappelle-moi là moi pas tu peux travailler ensemble ayo oui beta mon oublié elle l'obéissance aux parents ça parents une mauvaise pas combien de temps si dans un mot nous copé d'oiseau de l'obéissance mais dans un vivant qui te peut faire quand sa personne là vient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni dit ali mon maman, papa, me souris. Mon papa, il demande moi casse. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toi avec ton casse pour ton papa. Anta wa ma aluka di abika. Toi avec ton casse pour ton papa, ça. Pour montrer nous, veut dire si aujourd'hui, tu arrives quand tu étais là, grâce à ton papa. Mais nous, moi qui n'en apprends pas. Pas que dit que moi baï. Tu besoin sa présence pour faire toi venir la terre même ça me suffit pas là. Pour ta comprendre qu'elle était obligé reconnaissant venir. Jamais n'oublier ça de du monde. Je t'encourage là j'en aller quand tu imagines ça. Parce que ça c'est ban oubli qui devait vous faire oublier ou même. Et premier c'est ça qui nous fait tendre, c'est pas oublier celui qui nous crée nous. Pas oublier celui qui nous crée nous. La takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Qu'on est vivre l'eau la terre, les animaux aussi vivent l'eau la terre. Manger l'eau la terre, les animaux aussi mangent l'eau la terre. Dormir, les animaux aussi dormir. Mais seulement toi, en tant qu'un humain, tu as besoin d'un acte d'adoration pour différencier toi avec les autres. C'est ce qui amène ces cinq namaz là. Si tu n'as pas réussi à gagner ces cinq namaz là, qui différence pour toi en toi et les animaux, en toi et les autres créatures? Si tu n'as pas réussi à gagner ces cinq namaz. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire à nous, pas vin comment c'est lui qui oublie lui. Au fait, il n'y a pas gagné quand nous m'en dit. Mais seulement, il peut faire nous connaître, oublier Allah, c'est un moyen qui Allah servit, fa ansa hum anfusam. Allah fait oublier ce même. Parfois, on ne trouve pas de monde comment nous dire, et comment dire, il peut la vie. Depuis quand est-ce qu'il y a un travail? Pourquoi il y a la vie? L'oublier vraiment qui veut faire de la terre? L'oublier lui-même, l'oublier qui est un père de famille. Il y a les temps pour son madame, pour son enfant. L'oublier lui-même, l'oublier qui est une maman. Il y a des enfants pour sortir de l'école d'aller là. Il y a la case, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail pour les enfants là. L'oublier. L'oublier ban quelque chose ban principe de base de sur la vie qui pour God en la case vivant qui fait bien namaz l'oublier son créateur ou quand on peut li ça qui dort bien ça donc tu peux connaître qu'appelle dort bien l'os tu peux pas connaître qu'appelle dort bien dort bien c'est pas le grand en la case qui appelle du monde dort bien. Dors bien, ce n'est pas le machine qui déroulait qui appelle un du monde dors bien. Dors bien, ce n'est pas le mot qui lui mettait qui appelle un du monde dors bien. Dors bien, c'est de sous la case, il y a tranquillité, il y a reconnaissance et il satisfait ça qui y a. Ça qui appelle un du monde dors bien. Même il y a dans les tigides, alhamdoulilah, il est happy quand il était là. C'est un du monde dors bien. C'est un du monde dors bien. Ndjimoun qui est dans 99 pieds slow. 99 pieds slow. Vous en avez dormi bien? Vous connaissez qu'il y a l'amé de la carte de Ndjimoun là? Il y a l'amé de la carte de Ndjimoun là? Il y a l'amé de la carte de Ndjimoun là? Il y a l'amé de la carte de Ndjimoun là? Il y a l'amé de la carte de Ndjimoun là? Qui n'arrive là?
Les temps l'oublier le créateur, Allah fait lui trouve juste ça qui lui manque. Et non pas ça qui lui désire. Ça qui lui désire. C'est ce qui arrive nous aujourd'hui, frère. Si juste nous assisons, nous avons combien de choses nous possédons, qui avec casse nous ne sommes pas capables de nous avons une quantité vraiment, nous risquons de nous être là. Combien de choses nous ne sommes pas capables de là? Prends juste nous la santé. Qui est-ce qui a fait qui a gagné là? Ça a toussé, ça a fait. Qui appelle ça malade? Il faut que vous ayez ce status. I'm sick, faut de ou gete ce smile et tout ça sa grenier avec un camion rond. Mais ça bail de ICU là comment tu pourras appeler lui? Combien de jours tu es malade? 7 jours? 14 jours? Combien de jours tu es malade? Si 14 jours tu es malade, 351 jours tu es en bonne santé seulement. 351 tu es en bonne santé. Allez, right, combien tu es payé pour que tu es en bonne santé 351 jours? Pas de pays non, ça frère. Pas de pays non, pour nous rester en bonne santé 350 jours sur la terre. Mais c'est le mot qui me trouve, moi. Je me trouve 14 jours. Tu sais, quand tu es malade, moi, tu es malade. Un message, tu n'as pas envoyé. Je te dis, envoyer tout le monde qui est malade un message à cette terre. Là, on va envoyer. Tu sais ça? Tu me trouves juste ça 14. Tu trouves juste ça une pièce l'eau qui est mort, qui est là, frère. Et Dieu, là, moi, tu peux en avoir 100, là. Il n'y a pas trop 99, tu es là seulement. Ça, quand un dit moun, il oublie son créateur. Nous avons qui relation avec le créateur, là. Quand un qui l'imagine son créateur, il peut connaître qui peut, si il crée moi, veut dire lui-même qui peut donner moi ça. Si lui-même peut donner moi ça, en d'autres mots, bon, pourquoi il demande non, il est là. En deux mots, c'est une faveur, ça oui, non. L'une de moi, D, l'une de toi, 5, veut dire D là suffit pour moi. Et non pas me trouver moi, moi, 3. Parce que mon créateur qui me donne moi ça. Et non pas moi qui me fait moi gagner ça. Une fois qu'il nous commence à oublier nous-mêmes, puis il n'y a personne qui est capable de nous rappeler nous, frère. Puis il n'y a personne qui est capable de nous rappeler nous. Et ça, comment nous dire? Ou envie de connaître comment on oublie le créateur là, mange nous 5 namaz. Là, Ramzan pour rentrer là. Vous avez là, nous faisons 5 namaz, ok. Ensuite, on vous donne ça d'accord. On fait, dis bon, alhamdoulilah. Ensuite, qui vous peut redire? Ensuite, Zouïd qui arrive toi. Zouïd qui arrive toi. Vous connaissez ça? Pendant 29-30 jours, mon récit levé pour Fajr, pas pour Fajr, avant le Fajr, mon récit levé pour Seyri, Zouïd Mourad Fajr. Zouïd Mourad récit levé. Veut dire le mot premier jour, après avoir qui m'a fini gagner un entraînement, m'a fini faire les contrées de ça qui m'a fait pendant 30 jours, qui m'a pu faire ça 330 jours qui restait là, c'est-à-dire. Ça nous a l'air aujourd'hui. Mais tout ça là, comme on nous dit, chers frères, une de bonnes erreurs qui est venue, c'est quoi? N'oubliez nous notre créateur là-haut. Et pour nous terminer, quand vous imaginez un créateur, comme lui-même nous dit, nous, « Afahasibutum annama khalaqanakum rabasa wa annakum ilayna la turja'un » Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ne créent pour nous nier? Et ce n'est pas vers nous notre retour. Veut dire que tu connais ton créateur, pas oublier lui. En même temps, pas oublier. Chaque jour qui passe, tu peux retourner vers lui à l'os. Chaque jour qui peut passer, tu peux venir plus grand, toi. Pas faire ça, là. Pas oublier dimanche, mon zien qui fait 60 ans. Un grand. Tu gagnes 60 ans ou bien tu perds 60 ans. Est-ce qu'il devait connaître qu'il devait pas au cours 60 ans diminuer là? On te fait manger toi. Tant que tu joues, tu peux diminuer, tu es content. Un bon signe de te pas seulement. Il y a un bon signe, il veut dire que tu es fini prêt pour te quitter la terre. La cause, tu peux donner tout manger. Lola nous reconnaît. Mais sinon, de l'autre façon,
Quand tu veux être en 60, 65, plus tu besoin peut augmenter. Bonne action. Mais l'oubli du Créateur pouvait t'oublier qu'il te peut retourner vers lui. Donc, toi, tu peux croire, tu peux grandir. À partir de là, comme il y a des obéissances, il est attaché. Quand nous finissons, chers frères, ça, c'est un de mes rappels. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit amené, pas oublier ces trois choses là. Un, de base, qui nous tient, nous tient une goutte de l'eau. Deuxième, pas oublier, tu en as des démons pour nous présenter aujourd'hui sur la terre. Et troisième, pli important, pas oublier celui qui nous crée nous. Nous continuons pour aujourd'hui, chers frères, l'autre qui nous a arrêté la dernière fois, l'autre taille, l'autre caractéristique physique du Imam Malik, rahimahullah, quand nous finissons concernant ce cheveu exodiché, à partir de là, nous venons avec parole Rizab ni Omar. Un de ses bons compagnons qui en côtoie lui ensemble avec lui de Madina lui dit ma ra'aytu qatt bayadan wala hamratan ahsana min wajhi Malik. Bon, pas fin trouver un visage plus clair et rouge jamais comme un visage Imam Malik. Veut dire de là nous peut l'idée comment il était. Il y a une personne ni claire peut dire nous rouge là. Veut dire connait quand dit mon alhamdoulillah il est clair. Si pas ou tape ça vous fini une rouge vite. Les titres dans sa bande qualité personne là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, achète du bayard ou thawbin min Malik. Et moi, pas fini trouve un linge plus blanc qui se thawb, qui se linge. Première chose qui attire nous là-dedans, un Imam Malik, presque tous les temps, tu peux mettre linge blanc. Deuxième, elle dit mais mettre blanc, blanc foncé. Veut dire blanc blanc même lui. Comment nous parfois nous mettre blé, comment nous parfois nous mettre blanc cassé. Non non, lui met 10 blanc. Mais troisième pli important qui pas mentionné ici, mais seulement les vignes d'explication, c'est quoi? Quand une fois une personne dit à lui, oh imam, qui fait mettre un bon linge comme ça? Tant ça bien frère. Lui dire, est-ce qu'ils te connaissent qui s'en a sa parole, moi pour le citer là? Est-ce qu'ils te connaissent qui s'en a sa parole, moi pour le citer? Mais qui a été l'un de mettre moi cette parole? Subhanallah. Chef, frère, ça va nous dire là. Ici, Rizab ibn Omar peut dire à nous, je ne vais pas trouver quelqu'un mais un esprit blanc qui lit. Vous êtes tout le temps sur l'un, si blanc, blanc, blanc. Mais quand ça dit, mon n'est pas sa question, là, quelle est sa réponse qu'il lui donne là? Qui intrigue nous là? Ça qui intrigue moi, c'est quoi? C'est que parfois, moi, je viens faire une amas sur trois corps. Je viens d'amaser tout. Oh, rock ouvert. Oh, rock ouvert. L'icône masse là, tout. Quand on dirait les vini tricot, mon papa dit vis. Ça nous quitte pour la case. Parce que les djaou gagne droit tout là. Il a oublié qu'il y a un hadith qui dit pas les sales jours là de haut qu'on peut faire namaz. Ça sales jours là. Pas les de haut. C'est pour ça même te dans l'état ihram. Quand tu peux faire ta waf, quand tu découvres tes épaules, quand arrive les namaz, tu besoin couvrir les épaules là. Parce que sales jours là pas gagne droit de haut quand tu peux faire namaz. Malgré qu'il nous aura, c'est là-haut l'ombre et jusqu'à en bas de nous. Mais ça, c'est aura, veut dire ça qui te pas un péché. Mais seulement quand tu rentres dans le règlement d'amas, là, il y a une autre loi qui vient. Là, il y a une autre loi qui vient. Allez, rage, nous, mais des faits, comment dire, ou pas, tu connais. Dans nous dire, Inch'Allah, pardonne-nous, Inch'Allah, nous parlons fier. Ok, mais pour un moment, tu mets des vestes en amas. Mais qui pas bon là-dedans? Ziz diamon, tu es un djimoun qui t'ont besoin de lui. Je ne vais pas dire ton respect. Qui t'ont besoin de lui. Financièrement, n'importe qui façon. Les djimoun la porte, les tapés. Tu trouves lui, tu sortis avec ton veste. Dis maintenant interview travail. Avec ta veste, moi pas cause mariage,
Subhanallah. Pour débouter devant insan, te connais à l'intérieur de toi, ce qu'on appelle un fitra, nature du monde, tu as besoin d'être respectable. Devant ton créateur, tu veux te lever sur trois corps seulement. Et tu as besoin de défendre toi. Oui, arrivé un moment, je ne sais pas, on sort, on a un pique-nique, on a la mer, il arrive le namaz. Mais seulement quand on peut penser à des gens qui voudraient la case, ou les vignes, sur trois corps, sur t-shirt. Là, on connaît moins, mais on rentre dans le détail, là, mon petit-ni même, là. Qui est petit-ni, comment là? Mon petit-ni, pour ne pas dire qu'il trique au football, mon mettez pour venir faire namaz, là. Parce que l'Ibdia, on a dit, ça qui n'écrit pas de hier, c'est un musulman, ça, là. Mais vous n'avez pas devant là qui était ça l'emblème là, l'os. Parce que nous disons, on dirait, pas mal dire, on dit mettre Messie, on met. Ou bien l'exemple trop beaucoup là-haut. Ici, Zis y en a pour prononcer ayat Quran, Zis y en a pour prononcer hadith. Il commence par sur l'un avant. Il faudrait sur l'un et l'un respectueux. Parce que moi, il y en a pour prononcer hadith. Là-bas, on peut débouter devant le Créateur là. Qui vous dit le mot linge? Chers frères et sœurs, vous pouvez trouver ça qui nous dit un petit détail là. Vous pouvez comprendre ce qui fait devenir un savant. Parce que moi, j'ai dit, moi, je suis content de devenir un savant. Vous reconnaissez, moi, je suis content de sa récompense là. Mais il y a trop beaucoup de choses qui, moi, je trouve simple d'ordine. Mais pour eux, jamais dit comme ça. Pour eux, tout quelque chose d'ordine, je prends lui, oui, c'est la loi du Créateur. Parce qu'il y a une question que nous ne pouvons pas oublier. Chaque la loi Allah qui est dans, il y a une sagesse de Yéla. Il y a un bienfait de Yéla. Il y a nous bienfait là-dedans. Donc, fais-le. Fais-le. Nous sommes dans sa conviction. Là. Nous pouvons être récompensés pour ça. Comment une fois. Et quelqu'un peut, hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, il ne permet pas qu'il y ait un immense avec un seul savat, ou bien un seul soulier. Veut dire, demain, quand nous sommes dans la masjid, et quelqu'un qui bat avec nous savat, il n'a pas eu le parking. Vous trouvez juste un seul côté là. Vous mettez un côté là, là, vous allez comme ça, vous mettez des gemmes là-bas. Il ne pas permet de nous faire ça. Nous prenons un côté là, nous le mettons à côté avec l'autre là, nous devons mettre tous les deux ensemble. Nous n'avons pas le droit de morcer avec un seul savate ou bien un seul soulier de nous les pieds. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un demande un savant, mais qui fait? Il dit, il tente sa réponse. Au moins pas un pas, pas désobéir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au moins. Hein? Un pas, quand c'était un pas était? Ou les 30 cm? Il dit, lui même pas un pas, pas désobéir le prophète. Donc, nous, qui nous perdons là, nous? Qui fait qu'il y a vraiment sur un seul pied? Non, tu as gagné les os poussés. Non, pas trop de détails, toi. Pas besoin de trop de détails. This India, toi, pas mort avec un seul, arrête la même. Mais seulement, comment un savant est ça, lui? Lui, il est là en tant que, on veut dire, même pas un pas, on va besoin de désobéir le prophète. Il arrête en place. Il y a rétli en place. Donc, comment nous verrons, dit encore, chers frères et sœurs, ça, c'est parmi les différences qui viennent dans sa bonne personne qui nous trouve jeune. À partir de là, nous venons avec ce effort qu'il vient faire pour qu'il arrive un darodja pareil. Pour qu'il arrive un darodja pareil. Quand nous venons un darodja pareil, concernant la connaissance. Imam Malik rahimahullah commence à apprendre al-adab auprès de Rabi' ibn Abdil Rahman qui finit à apprendre avec sept fuqaha Madina. Nous arrêtons la même. Dans la ville de Madina, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Gaban Sahaba, sa meilleure génération. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui est dunya avec ban sahaba, ban qui apprend avec. Ban c'est sahaba là. Veut dire nous capables d'y aller. Ban là c'est la source de la connaissance là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est plus là, c'est-à-dire. Ban là la source là, la source.
Depuis ça, la source, là, tout le monde qui vient apprendre avec eux, c'est le tabirin. Les sahabas, on apprend direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire tout retourne vers haine. À ce que les sahabas, chacun comprend, chacun y amène, chacun peut expliquer d'une autre façon, mais seulement la loi là pour espérer. Ok. Zot aste, je commence à ban personne qui commence à venir apprendre avec zot, ça qui nous appelle ban tabirin. Depuis ça, ban tabirin, aste, et n'a pas omis zot qui côté fiqh, veut dire compréhension de ban la loi de la vie de tous les jours, comment nous dire, je ne tiens la tête. Et ça, depuis dans l'époque sahaba, tiens, quelque chose. Et n'a pas omis ban sahaba, il ne mémorise plus beaucoup hadith. Et n'a pas omis ban sahaba, il ne participe plus beaucoup la guerre. Et là, parmi les Sahaba, il y allait comme ça. Parmi les Tabirin, où il y a une zone qui parle avec les Sahaba, et il y a là-dedans qui tire la tête plus. Ils ont le nombre de sept. Ils connus, malgré qu'ils n'ont encore pas les Tabirin, mais seulement ils connus quand dire sept Fouqaha Madina, c'est ça, sept personnes qui ont cité devant nous. C'est sept personnes qui ont cité devant nous. Ça lui connu comme sept Fouqaha al-Madina. Ça, sept personnes-là, je te finis enceinte. Une personne qui appelle Rabi ibn Abdurrahman. Pas un là. Pas dix là. Nous veut dire tous les sept. Rabi ibn Abdurrahman, il en prend tous les sept Fouqaha al-Madina. Veut dire qu'il n'a que rien. Dans sa sept qui tient la tête de Madina, là, il n'a pas avec tous les sept, pas une seule parmi eux. À ce temps-là, Imam Malik vient prendre avec lui. Qui vient prendre avec lui, chers frères? Al-Adab. Al-Adab, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle caractère, manière. Qui veut son mal dans mon la tête là? Qui veut son mal dans mon la tête? Tu vas l'apprendre avec sept fouqaha, faqih, fiqh, pour te venir montrer moi Adam. Biban fiqh là, quand tu montrer moi. Ça qui m'a besoin d'apprendre à toi. Parce que ça qui nous prend, cher frère, c'est quoi? Ce qui donne nous tilaz au fait, premier chose qui nous a besoin et n'a de base dans nous l'enseignement, c'est adab de une personne qui pourra chercher la connaissance. Adab, manière. Comme il faut nous exercer l'exemple là, la Ramadan pour rentrer là, quand Ouguet, nous fassons. Nous mettons nos savates devant la porte masjid. Ou fini qu'on pense à un mat la côté. Quand ou guette, nous faisons porc le tour, le chemin devant masjid. Ça qui nous pas prend compte, ça non musulmans là quand peut venir de ce le tour. Quand ils trouvent masjid là, ensuite ils guettent savates là, comment ils portent le tour. Ça va nous faire la prière là. Hein? Ça l'impression qui nous met dans nous là. Ça l'image qui nous projette ça. Et moi, tu vous dis, à droite, pas venir nous savate. Ou les gars pour arrêter. Oui. Vous connaissez? Quand on a un monastère, quand on a un monde, quand on a un moine, d'abord Népal, etc. Quand on trouve autres avec autres lignes orange, avant qu'ils aient appris cela, quelqu'un qui peut me dire qu'ils aient appris. Quand on est dans un pays comme le Japon, pour aujourd'hui, on trouve des gens là, on dirait qu'ils sont plus patriotes que n'importe qui s'en a, quelqu'un sur l'école qui l'a commencé. Qui l'a l'école là commencé. 3 ans, 5 ans, ou bien là, 7 ans.
Guetter qui l'enseignement vient une priorité avant les enfants la rentrent de l'école seulement. Pour qui, ça qui nous peut dire first là, 5 ans là. Lila, c'est un rentre de first. Quand il guette soumis, il met sur la tête devant soumis. Il finit, il faut mettre la case. Tu as besoin de respect pour ça, pour personne. On comprend pour moi qui est arrivé là. Pour moi, Zisline crie avec mes enfants. Je fais transfert à Lila. Je fais transfert à Lila. Quand il restait pour lui, donner l'école sur Yac. Oh, mes enfants, qui t'ont gagné? Qui t'ont gagné? Dans 25 ans, tu es même pour mettre la mélo la tête de la course à ces enfants-là. Pour montrer-lui, manque respect avec un celui qui ne donne ni l'éducation, tu trouves ses conséquences lui devant l'os. Tu peux souffrir. Pour vous, c'est la paix sur la paix, hein? Tu as les 5 ans, le transfert, la fait l'effet l'olé. Mais toi, tout le long de la vie, tu peux souffrir avec ces enfants-là. Pas besoin de donner ta bête de doigt, pas besoin de ta malédiction là. Mais sinon, c'est la réalité qui est là. Première chose que nous devons apprendre, c'est adab. C'est le respect. Bonne quelque chose morale, bonne quelque chose éthique que nous devons connaître en tant qu'un enfant. Demain, comme on peut rentrer dans la classe, demain, comme on peut trouver mon professeur, comme on peut trouver mon maître d'école, comme... on a respect pour toi. Quand on dit, chers frères, quand on est dans le passé, quand on fait deux, Rabbana, Om Rab, pardon qui s'en a, Firli, Wali Wali Dey, Wali, Ustadi, Wala, pardonne-moi. Pardonne-moi, maman, papa. Après, maman, papa, premier que ça n'a qui vini, nous m'en professeur. Alors, je vous dis que ça, c'est un enfant qui demande de voir professeur là. Non, on peut dire côté d'in, hein, on peut dire madrasa, on peut dire son professeur l'école. Wali Djali, ça là. Mais il met un poste là ou non, t'as l'air là. Il met un poste là ou non. L'état nous guette ban, ça qui vraiment fin des morgues à travers la connaissance dans din islam, pour moi, le premier qui chose que je dois apprendre. Et guette depuis qui ça n'a. Je n'ai pas intérêt à un seul coup pour qu'on fik, pour qu'on tafsir, pour qu'on hadith. Pour qu'on... Non, 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 non. Montre-moi manier avant. Si mon fin kon en a manié, adab, ou l'augment n'importe qui place. Les autres connaissances là, même moi pas gagné. À partir de là, pour une bonne quelque chose qui vient en ce cher frère, c'est qu'il bien jeune, Imam Malik, il apprend et il mémorise le Coran. Depuis Abu Souhaïd, on a affaire. Un des bons professeurs de Imam Malik, il y a Ijaza. Ijaza, c'est quoi? Ijaza, c'est ce qu'on dit encore en Ali. Il n'a pas capable de donner considération. Mais Alhamdoulilah, il y a en Ali, chers frères. Vraiment, il y a quelque chose qui est noble. Nous prenons. Moi, prendre le Coran avec un professeur. Je veux dire, vous êtes dans la même génération au moment-là. L'Ioxani m'a appris. C'est un professeur. Il fait trois là. Ça trois là, nous disons, nous sommes dans une génération. Ce professeur, il apprend avec un autre professeur. Il apprend. Nous commençons qu'il est là. Pour bizar arrive à l'époque, quand d'après qu'il est, nous tout obligés d'après qu'il est, rentrer dans la ville Madina. Obligés. Parce qu'il n'est pas capable de venir apprendre le Coran qui te la source parce que depuis Madina. Comment tu fais toi? Non, mon apprendre, ce n'est pas tel pays, mon apprendre, ok. Mais ton professeur là, il peut gagner ça là-bas. Wahi pas descendre là-bas. Wahi descendre dans Makkah ou bien Madina. Pour bizarre et qui est dans Makkah ou bien dans Madina, qui prend ça depuis là, il a fait ça, transiter de personne en personne, il amène ça jusqu'à là-bas. Donc, chaque personne qui est entre moi et sa personne là, nous fait un djimoun, deux djimoun, trois djimoun.
il y a les mêmes comme ça. Ziska qui nous vient avec un tabirin, sa tabirin a fini à prendre avec un sahaba, sa sahaba a fini à prendre un ayat là depuis le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un ijaza, c'est quoi? C'est que sa professeur là, quand il écoute ses élèves là, l'idéal dit oui, bon, donne-toi permission pour enseigner le Coran en disant qu'il en apprend depuis moi. Moi, mon apprend avec un tel, il apprend avec un tel, il récite sa scène de narration là complète. Jusqu'à y arrive ce qu'annonce sa sahaba là. Ça qu'on appelle l'injaza, c'est qu'à jour dit Alhamdulillah qu'on a dit. Dans l'époque Imam Malik, il peut coûte. Imam Malik, comment on peut trouver ici, il apprend avec Souhaïd, un affaire. Lui, il apprend avec un sahaba, sahaba là, il apprend avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il coûte là. Trois dimoun, quatre dimoun. Mais seulement, tant que le temps allait, il vient plus long. Il vient plus long. Donc ça c'est ijaza là, c'est quoi? C'est permission. Donc professeur là, quand il écoute les élèves là, il trouve lui oui pour faire rien dire, mais seulement de se traduire, de se prononciation, le tout. Bon, il donne lui permission, moi donne toi ijaza. Veux dire tu es capable de te apprendre Coran depuis moi. Moi mon apprendre depuis un tel, il y a les mêmes comme ça, une chaîne de narration jusqu'à qu'il devienne depuis ban sahaba qui finit prendre depuis le prophète. Depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ban qui finit apprendre encore, chers frères, pour la suite, il finit apprendre hadith avec ban rapporté comme Ibn Shihab al-Zuhri, et surtout, il finit apprendre avec Nafir. Nafir, c'est qui ça? C'est Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Veut dire garçon Umar radiallahu anhu. Garçon Umar radiallahu anhu, Abdullah, c'est un esclave, appelé Nafir. Il payait, il fait libérer sa esclave là. Libérer lui. Donc sa esclave, sa ex-esclave là reste avec lui. Il aime qu'appelle Nafir. Quand Ibn Umar al-Din reste avec lui, jusqu'à ce dernier jour. Jusqu'à Ibn Umar ce dernier jour, quand Ibn Umar allait, Nafir il reste avec lui. Ibn Umar radiallahu anhu, qui est une caractéristique qu'il y a, les mêmes sahaba qui mettent plus beaucoup de sunna en pratique dans la vie. Ah ben, il y a un petit petit. Il y a un hadith, il y a un hadith. Même Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est dunya, il y a un petit hadith, il continue tout en pratique. Sahaba qui met plus beaucoup de sunna en pratique, c'est Ibn Umar radiallahu anhu. Nafir, il reste accompagné n'importe qui place. Imam Malik, Oksana, il apprend un hadith avec Nafir. Si il apprend avec Nafir, veut dire en d'autres mots que ça il apprend Ibn Umar radiallahu anhu. Ibn Umar, c'est qui sahaba qui ne met plus beaucoup de sunnah en pratique. Si il ne met plus beaucoup de sunnah en pratique, veut dire il connaît plus beaucoup hadith. Il faut dire un hadith pour le mettre en pratique. Et pareil comme ça même, un seul, pareil comme ça même, il finit d'apprendre avec ban rapporté comment Abu Huraira, ses élèves. Ça, Inch'Allah, nous revient avec lui. Mais ça qui est avec nous, chers frères, c'est nous finir la base de la connaissance de Imam Malik avec qui bonne personne nous finit gagner. Et comment nous finir le début, Inch'Allah, c'est après Ramadan que nous continuer. L'autre semaine, Inch'Allah. Si vous avez n'importe qui question le lieu de Ramadan, fini fait nous gagner avant. Quitte-le avec 5 ans de responsabilité. Quand pas au musée, récit fait moi avant mardi, disons, avant mercredi, ou bien je t'avoue livre, un message, or Irfan, etc. Inch'Allah, nous finirons répondre ça. Si il y a une question, Alhamdulillah, nous faisons un rappel le Ramadan, l'autre mercredi. Ensuite, après le Ramadan, nous recontinuons au mal. Pas besoin de mettre nos questions là, et pas besoin de mettre aucun détail personnel, juste avant les questions là, Inch'Allah, nous pouvons répondre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.